家好，今天要为大家推荐一个巴黎的景点，是位于巴黎第五区的植物园。现在进去看一下。说到巴黎的景点，大家首先想到的肯定是一些最具代表性的地标性的建筑，像卢浮宫、凯旋门、埃菲尔铁塔、巴黎圣母院。但是如果你已经来过巴黎几次了，或者你在巴黎待的时间比较长，不想只去一些游客区，而是想找一些其他的地方能更深入地了解巴黎，感受巴黎人的生活，那我们现在来到的这个植物园呢，一定是非常好的一个选择。如果你不了解巴黎的植物园，在经过的时候呢，会觉得它只是一个普通的公园，能看到很多人在这边运动、散步或者休闲地晒着太阳、吃着午餐。但是如果你在这边也转上一转，就会发现这里别有洞天，内容非常丰富。巴黎的植物园是世界上历史最悠久的动植物园之一，可以追溯到400多年前。400多年前在位的国王路易十三，这国王生病了，他的御医呢就申请了这个地方，专门为他培植一些奇珍异草，所以呢这里最初是皇家草药园，只有一小块地方。在等到1789年法国大革命爆发了以后呢，这里就开始对公众开放，变成了皇家植物园。而在1793年开始，在植物园里呢建立了一个国家的自然历史博物馆。所以我们今天在来到植物园里边，会看到这里不仅有植物园，还有动物园以及国家自然历史博物馆的展馆。这两幢玻璃建筑都是温室，里边有很多热带的植物。接下来这几幢建筑呢，分别是古生物和比较解剖馆、古生物和昆虫馆以及矿物馆，还有就是这边最受欢迎的进化大展馆。OK, bonjour, madame, monsieur, enchanté, et très content de vous connaître et merci beaucoup d'avoir accepté l'interview. Et je voudrais vous demander comment avez-vous connaître les jardins des plantes? C'est parce que nous allons souvent à la mosquée de Paris, qui se trouve à l'extérieur. Et avant d'aller prendre le thé, on vient un peu ici quand il fait beau. D'accord. Ok. Et la raison que vous avez décidé de venir ici aujourd'hui, c'est parce que... On a rendez-vous avec un ami au salon de thé de la mosquée de Paris. D'accord. Et on aime bien profiter des derniers rayons du soleil de la journée. Ok. Super. Merci. Moi, j'ai habité pendant longtemps juste à côté. Ah, ok. Cool, j'allais cool. promener ma fille au jardin des plantes. Ah d'accord, vous avez beaucoup de souvenirs ici alors. Moi non, je suis pas. Non, elle habitait ailleurs. Hein. Oui, d'accord. Habité par ici. Okay. D'accord. Et connaissez-vous le musée dans ces jardins ou pas? Il a des musées. C'est des expositions de fleurs. Expositions, oui. Les expositions des fleurs, où il y a un musée de l'histoire, de la nature. Au moins, il y a des animaux. Là, il y a des... Ah oui. Okay. Vous avez déjà visité? Oui. Oui. Ok. Et là, des plantes, là, puis c'est deux. Ça, c'est dans les serres. Oui, c'est ça. Et là, tu as visité aussi, avec ton petit-fils, oui. Le musée là. De... Ah oui. Ok. D'accord. Et si un jour il y a un visiteur étranger qui va visiter Paris, vous allez le conseiller de visiter ici ou pas? Oui, pourquoi? Il y a un seul problème ici, oui. C'est que quand on marche, il y a plein de poussière. Ah, ok. Ah, d'accord. Oui, à part ça, c'est super. Ok. C'est super. C'est à part de quoi? Il est très très bien, c'est très conseillé, mais c'est pas à part avoir croire en fait. C'est le, il y a plein de choses à faire ou il y a oui, enfin moi c'est pour la promenade.
j'aime bien le, la ménagerie, les animaux. Ah, oui, ben, hein. Les singes. C'est, comment ça s'appelle? La ménagerie, non, pas la ménagerie. Ménagerie, oui. Oui, ménagerie. Ok. Merci beaucoup, monsieur. Et puis, on, surtout, oui, on croise des gens très sympathiques comme vous. Hein. Merci okay. beaucoup. Nous bien, aussi, bien. C'est pour ça qu'on aime bien ici. Ok. Je crois que c'est bien. Oui, je pense que c'est bien. Merci beaucoup. Merci je beaucoup. Vous souhaite très vous bonne journée. Au revoir. Bonjour. Comment avez-vous connaissé les jardins des plantes? Je suis un voisin. Ah, d'accord, okay. Vous habitez pas loin. Mm-hmm. Et la raison que vous avez décidé de venir ici, c'est... Parce qu'il y a de l'espace, de la verdure, relativement de silence et de la lumière. D'accord. Et je viens de voir que vous étiez en train d'écrire quelque chose et du coup, vous venez souvent pour écrire, vous faites d'autres choses ou pas? Quand il fait assez beau pour rester assis, j'écris et je lis. Ah, ok. Sinon, je d'accord. regarde. Cool. Et comme il y en a pas mal de musées autour d'ici, est-ce que vous les connaissez? Non. Mais j'ai l'intention d'aller voir la Grande Galerie un jour. Okay. J'ai envie d'y aller, mais je n'y vais pas. Pas encore. D'accord. Ok. Et du coup, finalement, pour un visiteur étranger, si il va venir à Paris, vous allez le conseiller de venir ici ou pas? Ça dépend. Parce que j'aime bien qu'il n'y ait pas trop de monde dans mon jardin. Ah oui, 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 votre petit quartier secret. Et du coup, c'est parce que vous trouvez c'est trop bien ici, c'est agréable. Et je trouverais ça moins agréable s'il y avait des foules de touristes, pour tout dire. Ok. D'accord, vous inquiétez pas, ce ne sera pas un grand projet, je ne pense pas, il y aura plein de monde. Oui, oui. Vous avez d'autres raisons? Pourquoi vous choisissez ici? Pourquoi c'est un lieu très agréable d'après vous? Bon, je l'ai dit, c'est à portée de... J'habite au bout de la rue, c'est à 2 minutes de marche. Il y a de très beaux arbres, okay. de la lumière, des gens qui passent. Ça peut être agréable aussi. Okay. Regardez. D'accord. Okay. Merci beaucoup. Merci je beaucoup, vous monsieur. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous connaissez les jardins des plantes? Bah, je connaissais le musée d'histoire naturelle, du coup j'ai regardé où c'était et je suis venue ici. Voilà. D'accord, okay. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez décidé de venir aujourd'hui? Parce qu'en fait là, cette semaine on est en vacances à Paris, du coup aujourd'hui je sais pas pourquoi. Il fait beau, promenade, voilà. D'accord, okay, cool. Okay. Et du coup, comme vous avez mentionné le musée, et connaissez-vous, sauf que le musée naturel, d'autres musées d'ici, il y a aménagement des animaux, tout ça? Le musée, bah là, celui où on va aller, je pense, de paléontologie, c'est ça? Ah, oui, il y en a plein de musées ici. Voilà, et oui. Sinon, la galerie d'évolution. Vous avez déjà rentré la galerie des révolutions. Pouvez-vous nous raconter un peu, vous pensez que c'était excellent ou pas, dedans? Il y avait des éclairages et tout qui étaient intéressants, donc voilà. Après, c'était plus orienté pour les enfants, j'ai trouvé, mais oui, c'était intéressant quand même, on ne se connaît pas trop. D'accord, cool. La dernière question. Oui, voilà, justement, si jamais il y aura un visiteur étranger qui viendra à Paris, et vous allez le conseiller de venir ici ou pas? Oui, je pense quand même. Ouais. Oui, parce d'accord. C'est le, les lieux, déjà, c'est intéressant, c'est beau. Et ensuite, je pense que, enfin, il n'y a pas ça dans toutes les villes, donc ça peut toujours être intéressant de venir, même si c'est pas dans son pays d'origine et de sa langue maternelle. Oui. Oui, d'accord. Merci beaucoup de toutes les réponses. Merci beaucoup, bonne journée. Hi, 你哋好啊，唔该晒接受我哋嘅采访。咁我哋今日咧就系想问一下关于呢个Jardin des Plantes嘅。我想问你哋咧，你哋系点样认识呢度嘅咧？哇，住喺呢度几十年啦，咁我梗系认识啦，巴黎嘅。哦，即系因为你住喺呢度，咁成日朋友大家都有过嚟玩咁啊嘛。咁之後你哋係時常過嚟啊？今日過嚟係點解啊？定係偶然過嚟啊？今日嚟睇有啲 orchidium 啊，有啲蘭花籽啊嘛。啊，係咯，最近係啊，最近有 orchidium
哦，对，是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 ，